Bon, alors quel est le plan? L'idée, c'est de continuer à faire de la publicité pour le Team Bikubano comme on l'a fait. Et il faudrait que Saul et Unico aillent au cadastre pour obtenir la licence et qu'on puisse fonctionner légalement. Comprenez? C'est génial, ça me paraît une excellente idée. Mais tu crois qu'on y arrivera à temps? Oh, certainement que oui. Oui, bien sûr. Et en plus, je sais qu'Ivan a tous les documents signés et tous bien rangés quelque part, donc je ne pense pas qu'il puisse nous refuser la licence. Eh ben, on doit se mettre au travail maintenant, non? Au travail. On se voit plus tard. Allez, alors. À plus tard. Ouais, on se voit tout à l'heure. Et vous deux, sinon, vous ne venez pas nous aider? On aimerait bien, tu sais, mais bon, là, tu vois, on a plein de rendez-vous pour voir si on peut résoudre nos problèmes de titre de séjour. Oui, oui, on ne peut pas l'annuler. D'accord. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance, alors. Salut. Salut. Amadeo, dis, qu'est-ce que tu faisais chez les Quiñones? Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Oui. Eh ben, je suis allé voir les deux personnes que je connais le plus sur cette planète. J'avais besoin qu'ils m'écoutent, en fait. J'avais besoin de me libérer. J'avais besoin de sortir tout ce que j'avais sur le cœur. Tu sais ce que c'était? De la tristesse, de l'amertume, de la colère. Et pourquoi tu te sentais aussi mal? Tu me demandes ça vraiment sérieusement? À cause de nous deux, en fait, tu vois, pour tout ce qui nous est arrivé. Ah, Amadeo. Je t'aime tellement, si tu savais, mais en ce moment, tu vois, j'ai le cœur et la tête ailleurs, je suis confuse. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est passé quelque chose avec Mike, hein, c'est ça? Allez, dis-le-moi. Oui, dis-le-moi. Non. Ni avec lui, ni avec personne. Mais je t'avoue que tous ces problèmes et toutes ces disputes qu'on a eues dernièrement m'ont tellement éloigné de toi, Amadeo. Et je sais pertinemment que je suis la coupable de tout ce qui a pu se passer. Oui, parce que pour t'aider, pour aider ton groupe, je me suis convertie en un monstre. Et j'ai fait des choses terribles, tu sais. Ça, c'est vrai. Mais bon, tu l'as fait par amour. C'est pas vrai? Allez. Écoute, tu vois, Saul, j'espère que régulariser la situation ne va pas nous poser de problème et se retourner contre nous. Écoute, camarade, tu sais bien que je ne fais pas confiance au système. Mais je vais te dire une chose. Depuis qu'Ivan nous a aidés à régulariser la situation là-bas avec les kiosques de mes collègues et moi aussi, eh bien ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc t'en fais pas, il va se passer la même chose pour le Team Bikubano, d'accord? Très bien, c'est parti. Comme tu le dis, il faut qu'on fasse les choses dans les règles, non? Oui, monsieur, dans les règles. Ivan, tu es conscient de ce que tu es en train de me dire? Oui. La même chose que... La même chose que Calvera avec Samira. Oui. Supplier et demander à la femme qu'on aime vraiment de laisser en plan son fiancé à la porte de l'église, voilà tout. Et pourquoi? Pourquoi, Ivan? Pourquoi? Par orgueil seulement? Parce que tu ne peux pas accepter que Ludwig ait gagné? Non, ce que je peux pas accepter, c'est plutôt de voir que tu te maries avec une personne que tu n'aimes pas. Ce que je peux pas accepter, moi, Ivan, c'est d'être prisonnière d'une illusion, d'une chose qui n'existe pas. Ah, donc pour toi, c'était une illusion? Toutes nos caresses... Et tous nos baisers? Et alors, monsieur, est-ce que tout est bien en règle? Eh bien, malheureusement, je crois que non, monsieur. Parce que dans le quartier où vous avez monté le centre culturel, eh bien, vous ne pouvez ouvrir aucun établissement commercial. Car c'est une zone résidentielle. Résidentielle? Et qu'est-ce que ça signifie, une zone résidentielle, monsieur? Une zone résidentielle, ça veut dire que les gens ne peuvent utiliser leur maison que pour y vivre. Oui, exactement. Non, c'est pas possible, enfin, monsieur, puisque ça fait des années que mon épouse tient un restaurant dans ce quartier, le Bocas del Tibiqui, vous ne connaissez pas? C'est là qu'on sert le meilleur riz au coco et puis le riz aux crevettes, sans oublier la soupe de poisson. Et... Ah oui? Voyons voir ça. Tu ne ressens vraiment rien pour moi. Parce que... Si c'est comme ça, je préfère pas... Ne pas insister, tu vois? Ivan, ça va, s'il te plaît, n'insiste pas. Oui, c'est vrai, je ressens énormément de choses pour toi.
Mais il y a Ludwig qui m'attend à l'église, et lui, il m'aime à la folie, Ivan. Toi, tu ne m'aimes même pas comme t'aimes la musique. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que tu m'aimes à la folie? Est-ce que tu pourrais abandonner tes rêves pour moi, pour toute ta musique? Tu vois. Alors je te demande, s'il te plaît, que tu me laisses en paix. Assez, Ivan. Tu comprends? L'homme de ma vie est en train de m'attendre à l'église, s'il te plaît. Quoi? Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. De même pour toi. Regarde là. T'as vu? Voilà enfin qu'arrivent les deux conditions à remplir pour pouvoir rester à jamais dans ce pays. C'est laquelle, la tienne? Lequel des deux te plaît le plus à toi? Oh, moi j'adore Koé et toi? Super, ma belle, parce que tu vois, moi je préfère Sylvestre. Oh. Salut les garçons! Quoi de neuf? Je suis mort. Et peut-être que je suis monté au ciel parce que je viens de voir deux anges apparaître. Arrête ce baratin, Brother. On est bien vivants. Ce qu'il y a, c'est que le ciel s'est déchiré et Dieu nous a envoyé ces deux anges. Ah, quel regarde poète. Comment ça. Oui, si romantique, merci. Merci. Comment vas-tu? Génial que vous soyez venu. Vous êtes très belle, c'est vrai, vous êtes merci. Très belle. Monsieur Patchon, s'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps. Écoutez, je vais vous obtenir ces papiers rapidement, je vous le jure. Désolé pour vous, monsieur, mais bon, ce n'est pas une question de délai. Mais si, je vous assure. Dans ce quartier, il ne peut y avoir d'établissements commerciaux. Mais ne vous en faites pas, je vais vous donner la médaille du civisme pour nous avoir avertis. Calmez-vous, ça va aller. C'est pas vrai. Et maintenant, j'imagine la tête que va faire Hortensia. Bien, je ne sais pas, mais pour l'instant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce type-là. Ouais, il faut qu'on fasse tout et n'importe quoi, on pourrait lui glisser quelques billets ou autre chose. Signature ici, s'il vous plaît. Prêt? On y va, les gars. Pardonne-moi, ne me dis rien. Rien. Je ne veux absolument rien savoir. Mais c'est à cause ne de ce type, pas. Tu sais, ma chérie. Je ne pouvais pas penser que ce type Nico. Allait nous faire fermer. Je ne veux pas te parler. Si seulement j'avais... Je ne veux pas te parler. On change de place? D'accord. Ah, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas bien. Allô? J'ai besoin qu'on se voit, c'est vraiment très très important. Ok, d'accord, alors je te retrouve à la terrasse dans une demi-heure.
obsesionarme así y verme como estoy con el alma vacía, sin noche y sin día, sin ti vida mía. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous pleurez, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu sais, j'ai toujours eu le pressentiment que ce centre culturel allait nous causer des ennuis un jour. Je le sentais, je crois. Et ce qui vient de se passer me donne raison. Comment ça, Yuniko? Attendez, ils nous ont pas donné l'autorisation? Non, on l'a pas. Mais comment ça? En fait, tous les papiers étaient bien en règle, non? En fait, c'est qu'on est situé dans une zone résidentielle et il peut pas y avoir de commerce. Ah, ok, mais ça, c'est pas grave, Madame Hortensia. Enfin, c'est pas grave, on va trouver un autre moyen. Écoutez, on va trouver un autre endroit pour que ça fonctionne. Et puis voilà, non? Eh bien, vous pouvez le trouver sur la Lune ou même où vous voudrez. Moi, ça m'est égal. Ah, et alors, pourquoi vous pleurez? Ivancho, en fait, tu vois, j'ai été dire bêtement aux fonctionnaires du CADAS que dans cette zone, c'était légal. Parce que ça faisait longtemps que le Bocas del Timiki était ouvert. Et alors, il a dit, non, monsieur, cette zone est complètement illégale. Alors, il a sorti les scellés. Et il vient de les mettre maintenant sur le restaurant. Et voilà. Tu as vu cet imbécile, hein? Ma chérie, enfin, pardonne-moi, je pensais vraiment qu'il se trompait. C'est pour ça que je lui ai dit ça. Mais du coup, t'as bien mis les pieds profonds dans le plat, hein? Non, écoutez, attendez, Madame Hortensia, vous tracassez pas, parce que, vous savez, on va faire tout notre possible pour récupérer ce que vous avez perdu à cause de nous, évidemment, d'accord? Vaut mieux pour toi. Parce que sinon, tu sais, regarde. Sur la Sainte Vierge, je suis capable de te quitter. Ne me touche pas! Oh. Oh. Oh, t'as vu, il pleure? Et pourquoi est-ce que tu pleures? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que nous autres, les Cubains, on n'a pas l'habitude de voir des films aussi romantiques là-bas à Cuba. Bon, et alors? En fait, les films qu'on voyait au ciné, c'était des films très historiques, tu vois, toujours mélangés avec la politique. Et tous les films étaient en russe. C'est pour ça que ça nous a tellement émus, tu vois. Ça nous a tellement émus que ça nous a terriblement donné envie d'avoir une histoire d'amour aussi romantique que celle des deux personnages de ce film. À nous aussi, très cher, mais bon, encore plus profonde, tu vois. D'accord. Oh. Je crois qu'on ferait mieux d'aller boire un verre, non? C'est mieux. Non, ben, là. T'as vu ces deux ringards à vouloir nous bécoter en plein ciné? Totalement. Si, en fait, le fonctionnaire du cadastre a tout à fait raison parce que c'est une zone résidentielle. Et donc, on peut créer aucun type de commerce. Alors, c'est foutu. Non, pas nécessairement, tu sais, parce qu'un bar, c'est une chose. Et un restaurant, c'en est une autre, c'est très différent. Et je suis sûr qu'on pourrait obtenir une certaine autorisation qui nous permette de continuer à ouvrir. Mais maintenant, le gros problème, c'est pas l'emplacement, non. En fait, c'est qu'il n'y a pas un seul papier en règle. Alors faisons-le, Ivancho. Oui, Ivancho, c'est quoi ces papiers à faire? Dis-nous, hein. Bah, ce sont les mêmes qu'on a fait pour le centre culturel. Il nous faut le feu vert des pompiers, la visite du secrétariat de santé, la chambre de commerce, le registre des sociétés et payer les amendes et les impôts. Bon, bah alors il faut vraiment se mettre au travail. Moi, je peux aller avec Saoul au secrétariat de santé et retirer les registres. D'accord, et moi, je m'occupe des pompiers, ok? Et moi, des impôts. Ah bon, alors allez-y tout de suite. Ouais, allez, ouais. On se bouge. Les enfants, bonjour. Unico, quoi de neuf? Allumez la radio, Radio Babalou. Allez, allume vite, Unico. J'y vais. Allez, ah, mais vous aussi, vous êtes plus près de... Vas-y. Allez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Cette nuit, ne manquez pas la meilleure fête de tout Bogota au centre culturel Timbicubano. Où se fonde la rumba caribéenne avec l'orchestre Grupo Nietzsche et les meilleurs plats du Pacifique préparés par l'inégalable Hortensia. C'est bien ça. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que... En fait, ce soir, on ne va pas pouvoir ouvrir le centre culturel. Pourquoi? C'est ici que vous allez nous inviter à boire un verre? Oui, un petit café ou un petit thé, enfin ou ce que vous ou un rafraîchissement, ou un milkshake, ce que vous voudrez. Vous choisissez. Ah, d'accord. Tu peux m'accompagner aux toilettes? Oui, allons-y. Excusez-nous. D'accord, on vous attend ici. Ne nous faites pas trop attendre. Oh, je peux pas le croire. Hein? Oh, quelle mentalité de vieux. Non, mais j'y crois pas.
C'est que, je sais pas, je pensais qu'il nous aurait invité à boire un verre, autre chose de plus fort, on dirait qu'il sort de chez mamie. Tu m'étonnes. Et bon, déjà rien que le ciné, c'était super pathétique. Oh, heureusement pour nous qu'on n'est pas à Cuba, à cette heure-là, on serait en train de faire la connaissance de leur maman. Je crois, oui. Je ne veux pas pêcher par optimisme, mais bon, à chaque fois que je vois ces filles, eh bien, je me sens encore plus colombien. Ne t'en fais pas pour ça. À moi, ça me fait la même chose. Et elles sont mignonnes. Oh, hein. Mais on a touché le gros lot, c'est le gros lot. Eni? Eni? J'y vais, c'est bon, ça va, vous allez me cramer la sonnette. Oh. Dis-moi, pourquoi tu as planté le concert d'hier soir à la Bomba? Oui, entre. Et il a fallu que je mette une correction à Mike, tu vois, et du coup, on a terminé au commissariat, voilà pourquoi. Attends, Amadeo, et tu me dis ça comme si de rien n'était? Hier, je suis venu avec des amis pour voir le concert de ton groupe, et les résultats, en plein milieu du concert, tu t'en vas et tu ne reviens pas? Tu nous as bien plantés sur ce coup-là. Le propriétaire du bar était furieux, et on peut le comprendre, parce que ce que tu lui as fait, tu vois, ça n'a pas de nom. Ça ne te fait rien d'être aussi responsable? Écoute, je viens de t'expliquer ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas une excuse. Alors premièrement, tu n'aurais jamais dû te battre avec Mike. Et deuxièmement, je pense que tu as déjà oublié que quoi qu'il se passe, tu as l'obligation absolue de respecter tes engagements parce que non seulement ta crédibilité est en jeu, mais aussi Call Records. Bon d'accord, c'est vrai, j'ai merdé, Flaco. Et qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, je vais t'infliger une petite sanction, tu vois. Une de celles que tu ne risques pas d'oublier, crois-moi. Je te dirai ça ce soir, à la Bomba. Je voulais te voir rapidement parce que je voudrais qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, ok? Avec toutes ces histoires qu'il y a entre toi et moi. Mais attends un petit moment. Tu me laisses terminer. Je vais t'avouer que, oui, c'est vrai, ta manière de me dire au revoir m'a un peu perturbée quand vous êtes tous les deux sortis du commissariat. Mais j'ai bien réfléchi à tout ça et j'ai parlé avec Amadeo. Et je suis arrivée à la conclusion que le mieux pour moi, c'est que désormais nous nous traitions comme de simples connaissances et point. Mais enfin, comment tu peux me demander ça à moi? Comment tu peux me demander de t'oublier du jour au lendemain et encore plus après tout ce qui s'est passé entre nous, franchement. Je sais parfaitement que je ne t'ai sûrement pas salué d'une manière correcte, mais bon, c'était uniquement pour qu'Amadeo ne soit plus suspicieux, en fait. Oui, c'est uniquement pour ça. Tu te rends compte? Non. Notre relation doit rester strictement professionnelle. Eh bien, non. Non, je ne veux pas. Et s'il faut en finir avec le groupe d'Amadeo et arrêter de les représenter, alors je le ferai. Ça, eh bien, ce serait très grave, tu vois. Parce que moi, quoi que tu fasses, il faut que tu comprennes qu'il n'y aura plus jamais rien entre nous deux. Yeni, attends. Attends un moment, enfin. Et alors? Et alors? Ils sont mariés ou quoi? Oui, bien sûr. Mais tu sais quoi? Je n'avais jamais vu une mariée aussi triste. Eh bien, espérons qu'elle trouve le bonheur auquel elle aspire tant, parce qu'elle le mérite, tu sais. Oui, espérons-le. Mais dis-moi, on m'a dit que le centre culturel n'a pas ouvert à cause d'un vice de procédure. C'est bien ça? Ouais. Et en fait, j'ai pensé à une solution, la dernière chance, mais bon. Pour que ça marche, eh bien, il nous faudrait le soutien total de tous les musiciens. Eh bien, on va leur dire. Au moins, tu peux déjà compter sur le mien. Ouais. Merci. Merci. Bon, et alors, comment ça va, les filles? Bien. Génial. Ça nous fait plaisir. Parce que nous avons vraiment des intentions très sérieuses, les filles, vous savez? Oui, vous savez, en fait, nous voulons vous traiter et vous charmer aussi, comme vous le méritez vraiment. Parce que vous êtes de très belles filles qu'il faut choyer. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous riez comme ça, hein? Parce que personne ne nous avait dragués comme ça d'une manière aussi drôle. Oui, non. Et donc, vous, ça vous paraît drôle qu'on vous traite comme les dames que vous êtes? Eh bien, oui, en vérité, ce qu'il se passe, c'est qu'ici, les hommes sont différents, vous comprenez? Ils sont plus directs, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont différents de vous. Bien sûr, sans être non plus grossier ni impertinent, mais plus direct. Bon, j'ai bien compris. Et comme j'aime répondre favorablement aux demandes, alors je vais me lancer à l'eau, ou bien, comme on dit à Cuba, on va se jeter de l'autobus. Mon collègue et moi, ce que l'on veut, c'est sortir avec vous et en même temps, en fait, nous marier.
Excusez-moi. J'aimerais que tout le public ici présent applaudisse très fort Carlos Pachón, le directeur culture et loisirs de Bogota. Parce que là, tel que vous le voyez, il va pas permettre qu'on nous ferme le centre culturel Timbi Cubano. Non, monsieur. Vous voyez, c'est le meilleur endroit pour faire la fête à Bogota. Pourquoi on ne l'applaudirait pas de nouveau, hein? Hein? La fête bat son plein et on continue avec Buponiche. Allez, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah, oh, monsieur Pachón, merci beaucoup de nous avoir donné cette chance. Oh, mais non, madame. C'est avec grand plaisir, vous savez. Mais bon, comme je l'ai dit à Ivan, vous ne pouvez pas vendre d'alcool et vous ne pouvez pas faire payer l'entrée. Donc il faudra vous trouver un autre local où vous pourrez travailler. Mm-hmm. J'ai tout compris. Ok, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Mais monsieur, qu'est-ce qui va se passer pour mon restaurant? Ah non, enfin, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous devrions certainement trouver une solution qui convienne à tout le monde. Alors, je vous remercie. Bien sûr, oui. Bienvenue. Alors, je vais vous recevoir comme un vrai roi et je vais vous donner la meilleure table. Ah, oui. Allez. Oui, oui, je vous suis gênée, mais bon, spéciale. D'accord, j'accepte avec plaisir. Merci beaucoup, madame. Non. Ma jolie lumière, alors mon amour, alors est-ce les que filles, tu y as réfléchi? Vous êtes décidée à vous marier ou non? Eh bien, nous ne le savons pas encore. Comment? Chérie, arrêtez d'être aussi pressée. Sérieusement, écoutez, donnons du temps au temps. Mais nous n'avons du pas beaucoup de temps. Du temps au temps, c'est ça, excusez-moi. Écoutez, le souci c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non mec, on n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on fasse vite, pour ton information. Ok. Allez, on y va. Merci beaucoup d'être ici et de soutenir le centre culturel Timbi Cubano, mais je voudrais remercier tout spécialement monsieur Pachón avec vos applaudissements. Merci pour votre présence, monsieur. Merci pour votre compréhension et pour avoir compris qu'ici, ce que nous faisons, c'est profiter de la musique sans gêner ni embêter personne. C'est la musique, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mon chéri, tu t'en vas déjà? Oui, je m'en vais. C'est un peu tôt, non? Oui. En fait, il se trouve que Flaco est venu ici et m'a passé un savon parce que j'ai abandonné le groupe hier. Et ce gars-là, je vais pas lui laisser d'autres chances de me pourrir la vie. D'accord, alors donne-moi une seconde, moi je t'accompagne, d'accord? Reste ici. Profites-en un peu et repose-toi. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, entrez. Merci. Bienvenue. Regarde, vieux. Regarde-moi tous ces gens qui rentrent pour voir ce vieil Ivan chanter. Tu vois, hein? Et nous, envasés ici, pour avoir cru les mensonges que nous a racontés Amadeo. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est Amadeo qui vous a envoyé pour venir nous gâcher la soirée? Non, madame Hortensia. Pas du tout, je vous assure. Comment vous pouvez penser ça? Non, nous, on est juste venus pour s'amuser. Écoutez, madame Hortensia, nous deux, nous serions incapables de faire du mal à l'un d'entre vous, et encore moins à notre pote Ivancho. Comment vous pouvez dire ça? Oui, voilà. Et d'ailleurs, on veut voir des bons musiciens et écouter des belles mélodies. C'est pour ça qu'on est venu voir Grupo Nietzsche. Ah bon? Eh bien, vous allez rester sur votre faim. Parce que maintenant, on se réserve un certain droit d'admission, et ici, vous voyez, eh bien, on n'accepte aucun des musiciens du groupe d'Amadeo. Ah non, alors? Si c'est pour ça, ne vous en faites pas. Nous, on joue plus avec ce type. Ah non? Pourquoi ça? Parce qu'il nous a laissé tomber. Il nous a viré à coups de pied aux fesses de son orchestre. Ah, trop bien. C'est bien mérité ce qui vous arrive, pour votre déloyauté et votre fourberie. Mais nous, on a déjà payé nos péchés, Hortensia, vous ne croyez pas, hein? Laissez-nous entrer, d'accord? Vous savez quoi? Non. C'est bon. Et déguerpissez d'ici, parce que franchement, vous dégagez de la mauvaise énergie, alors partez tout de suite. Allez, salut. Franchement, vous me prenez pour une idiote ou quoi? Dégagez! Au revoir! Ouais, super sympa. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon pote? Ce qu'on va faire? On va se tirer d'ici. Entrez. On n'a pas d'autre option. Bienvenue. Allez.
Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Bien, bien, bien. Vous êtes sur la bonne voie. Pas mal, les enfants. T'es qui, toi? Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu joues avec mes musiciens, hein, Amadeo, Amadeo, ne t'énerve pas comme ça. Viens, je vais t'expliquer. Tu te rappelles que je t'avais dit qu'on allait te sanctionner? Tu te rappelles? Ouais. Très bien. Donc ta sanction ne va pas être économique, mais plutôt professionnelle. Ce qui signifie que pendant 2 jours entiers, tu ne vas pas chanter dans ton groupe. Tu seras remplacé par Hector du groupe Los Castellanos. Quoi? Comment est-ce que tu peux me faire ça à moi? Parce que ce groupe-là, il est à moi. Parce que j'en suis le directeur musical, parce que je fais les arrangements et puis j'en passe non, et... Non, arrête. Et laisse-moi te clarifier une petite chose, Amadeo. C'est vrai que les arrangements sont les tiens. Que tu es le directeur et le chanteur de ce groupe, mais là, bon, tu n'en es pas le propriétaire. Les véritables propriétaires de ton groupe Amadeus, en fait, c'est Mac et moi. Et franchement, mon gars, tu peux être content de l'indulgence de la sanction. Parce qu'en fait, si on avait voulu, on t'aurait remplacé définitivement et ça n'aurait posé aucun problème, tu vois. Bien, ça bravo. Toutes mes félicitations, c'était spectaculaire. Ouais. J'ai adoré. C'était très bien. Vous jouez de mieux en mieux, oui. Pas touche la mouche. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut encore que tu me le demandes. Écoute, Abelardo. Bien que tu saches que je t'aime beaucoup et que j'ai confiance en toi jusqu'à preuve du contraire, cette affaire avec cette Léonore-là, et surtout sa grossesse, ça me porte sur les nerfs. Alors tout de suite, je ne suis pas disposée. Bon, alors quoi? Tu vas me punir comme ça jusqu'à ce que tout se clarifie ou quoi? J'aimerais qu'il en soit différemment. Mais oui, c'est comme ça. Franchement, tu trouves pas que c'est un peu injuste pour moi? Et pour moi? Je te rappelle que la seule innocente dans cette histoire, c'est moi. Ah bon? Oui, bien sûr, tu as raison. Ici, le coupable de tout ça, c'est moi. Non? Alors, monsieur, voici un délicieux plat de viande à la cubaine et des empanadas de crevettes, et le tout offert par la maison, bien sûr. Wow, délicieux, merci beaucoup. Bon, je vous apporte un délicieux jus de fruits, c'est comme si Dieu me le commandait. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est avec grand plaisir. Bon appétit, messieurs. Merci beaucoup, bien sûr que oui. Oh, vraiment, je trouve ça spectaculaire, c'est merveilleux. Mais une fête pareille sans une bouteille, ça n'est pas pareil du tout. Entièrement d'accord avec vous, monsieur Carlos. Eh bien, pourquoi vous ne nous accorderiez pas une autorisation? Comme ça, vous voyez, on pourrait peut-être vendre quelques petits verres, comme ça, enfin, sous la bien table. Bien sûr. Non. Non, madame. On ne peut pas. Vous savez, même si je le voulais, mais malheureusement, en fait, eh bien, comme on dit, la loi, c'est la loi. Et on ne peut pas y déroger. C'est comme ça. Ah bon, quel dommage, monsieur Carlos. Parce que imaginez-vous que, bon, les musiciens jouent gratuitement. Et en fait, leur revenu devait venir de la vente d'alcool, voilà tout. Comment ça? Attendez, si je comprends bien, vous voulez dire qu'un groupe talentueux comme ça n'a pas signé de contrat fixe et n'a pas d'autre endroit pour pouvoir jouer? C'est ça, et ce n'est pas l'envie qui leur manque, non? Parce que la volonté, elle est là, mais... Alors? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un type qui nous fait des coups bas et qui veut en finir avec Grupo Nietzsche. Mais bon, on ne sait plus quoi faire à présent. Comment ça, il a autant de pouvoir ou quoi? En fait, je ne sais pas s'il est si puissant que ça, mais de l'argent, oui, il en a, ça c'est sûr. Et puis il persévère, il ne perd jamais une opportunité pour nous tomber dessus et nous chercher des problèmes, comme la dernière fois où il nous a dénoncés à la police. Mais franchement, c'est très grave, ça. Oui. Regardez, il ne se fatigue jamais, regardez qui vient d'entrer ici. Ah. Mon Dieu, non mais c'est pas vrai. Non, ne vous en faites pas, madame. Vous savez, lui, c'est un ami. Il est ici parce que je l'ai invité. Il est seulement venu pour profiter de la fête. Oh, mon Dieu, j'ai failli tomber dans les pommes, enfin. Mais quelle peur ça m'a donné. Bon, alors je vais aller le recevoir comme il se doit, d'accord? Avec plaisir. Je vous en prie, merci manger. Beaucoup.
Flaco. Bonjour, Mike. Excuse pour le retard, mon ami, je suis désolé. Mais j'ai eu un problème avec la radio, il me manquait un des enregistrements, j'ai dû remuer ciel et terre pour pouvoir le remplacer. Quelle merde, je comprends. Mais bon, tranquille, les choses ne sont pas avérées plus compliquées qu'on ne le pensait. Bon, bien sûr, Amadeo a failli me frapper. Mais tu vois, je l'ai remis à sa place et il est reparti la queue entre les jambes. Eh bien, c'est parfait, non? J'adore ça, je trouve ça vraiment génial qu'il ait enfin compris qui sont les propriétaires de ce groupe. Tranquille, parce que là, je pense qu'il a très bien compris. Bon, et sinon, raconte-moi, comment ça s'est passé avec le remplaçant? Eh bien, il n'arrive pas aux chevilles d'Amadeo. Et Amadeo, lui, il n'arrive pas à la cheville d'Ivan. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se concentre sur ce garçon. Eh bien oui, mais ça, on l'a toujours su, en fait. Mais bon, attention, parce que sinon, tu pourrais te retrouver sans rien. Je crains que ça ne lui plaise pas beaucoup à ta Yeni que tu laisses tomber son fiancé. Ah, ne t'en fais pas, je te jure, mon flaco, tu sais très bien que tout ça est sous contrôle. Dis-toi que quand j'aurai viré Amadeo, Yeni deviendra ma femme. Tu veux un whisky? Ouais, s'il te plaît. Bon, tu sais quoi, il va falloir que tu mettes la main à la poche, ok? Ah, tu rêves ou quoi? Je suis complètement fauché, mon frère, t'as cru Diamante. Quoi? Regarde la pourriture qui est assise là-bas, tu vois? Ah. L'homme le plus faux de la Colombie! De Colombie? De la planète, de la galaxie? Tu te rappelles pas de ce qu'il nous a fait? Il nous a fait nous disputer avec Ivancho, il nous a fait miroiter plein de choses, du pipeau, parce que quand il a fallu lui démontrer que c'était notre meilleur ami, il nous a jetés à la rue comme deux chiens errants, il nous a laissé tomber. Allô? Faux frère? Traître, renégat, sale menteur? Hein? Plus faux qu'une gifle de cinéma! Mais qu'est-ce que cette ordure fait dans ce trou, Ara? À ce que je sache, Diamante, l'orchestre devait jouer là-bas, à la bomba. Aucune idée. Qui sait, ils l'ont peut-être viré de son propre orchestre. Tu crois? Hey! Alors quoi, comment ça va, les enfants? Je peux m'asseoir avec vous? Écoutez-moi ce faux frère! Hé, mon pote, t'es pas le bienvenu ici, ta table, elle est là-bas. Non, monsieur, je crois pas qu'on se connaisse. On veut se mélanger avec les gens du peuple? Ou en fait, nous autres, on n'était pas dignes de quelqu'un d'aussi intelligent, aussi professionnel que toi, non? Mec, ouais, je sais que j'ai déconné, ok? Je me suis bien planté, profondément. Mais alors, bien planté? Oui, je me suis bien planté, mais je vous demande de m'excuser, les gars. Hey, t'as entendu la même chose que moi? T'aurais pu imaginer ça, Diamante? L'homme le plus orgueilleux de tous les mortels, le plus orgueilleux de tous les mortels, nous présentant ses excuses à toi et à moi, hein? Hein? Non, il faut le vivre pour le croire. Passe-moi, je crois bien que je suis en train de rêver, oui, dis-moi que on je fait rêve. Un rêve. Très bien, d'accord, alors quoi, il faut que je me mette à genoux? Ah bah en fait, c'est pas une mauvaise idée. Merci. À genoux, vieux, je veux voir ça. Allez, allez, mets-toi à genoux. Allez, en priant le Saint-Père, plus vite que ça. Allez, c'est bon, on va pas exagérer. Laisse-le, enfin. Là, laisse-le s'agenouiller. Alors, maestro. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'attitude avec nous deux comme ça? Eh bien, Mike et Flaco m'ont sanctionné. Ils m'ont remplacé temporairement de mon groupe par ce chanteur du groupe Los Castellanos, par cet Hector Rodriguez. Pardon? Vous avez remplacé Amadeo? Non mais franchement, vous êtes devenu fou ou quoi? Regardez ce chanteur! S'il vous plaît, regardez! Personne ne l'applaudit, non? Non, j'exige que vous viriez ce chanteur tout de suite et que vous rappeliez Amadeo pour qu'il vienne chanter dans son groupe. Voyons, Yeni, ne mélange pas tout, ok? Le fait que le groupe s'appelle Amadeus ne veut pas dire qu'il lui appartient. Écoute, ma belle, je ne sais pas ce que tu as vraiment compris, mais ce groupe, tu vois, il nous appartient, c'est vrai. Et ça nous donne le droit de le sanctionner. Hier, il est parti à la moitié du concert et il n'est pas revenu. Il a fallu le sanctionner, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais toi, tu sais bien pourquoi il n'est pas revenu. Oui, je sais parfaitement pourquoi il n'est pas revenu, parce que c'est un fou, un caractériel, un hystérique aussi. Mais ça, tu vois, ça ce n'est pas de notre faute, en fait. Alors écoute, si tu es autant préoccupé par ton fiancé, eh bien pourquoi tu ne parlerais pas avec lui et lui expliquer que lorsque Maître Flaco ou moi, on lui donne un ordre, il doit nous écouter, ou alors on sera obligé de le remplacer définitivement. Mais bon, à moins que... qu'on passe la nuit ensemble. Qu'est-ce que tu lui as dit, hein? Non, ne t'inquiète pas, Flaco, rien d'important.
De toute façon, Mike, si l'idée que tu avais, c'était de la conquérir, je peux te dire que là, tu viens de perdre beaucoup de points avec elle. Flaquito, ne t'en fais pas, je sais exactement ce que je fais pour le groupe. À notre orchestre. Sors-toi que je m'y mette. Mais nous, on te l'avait dit ou on te l'avait pas dit? Hein? C'était une question de temps pour que ces types, ils te virent de ton propre orchestre, ça se savait, ça. Mais c'est temporaire, Rengito. Écoute-le-moi, faut le vivre pour le croire. Comment ça, temporaire? Ça semble plutôt définitif, définitif. Ouais, t'es bien candide pour être le seul à ne pas t'être rendu compte que ça fait longtemps qu'ils veulent te virer. Et pas seulement de mon groupe, tu vois. Mike? En fait, ce gars, il tourne autour de Yeni, les amis. Vous me croyez ou pas? Oui, bien sûr qu'on me croit. Nous, ça fait un moment qu'on s'était rendu compte de la petite histoire qui se trame petit à petit entre Yeni et Mike. Écoute, s'il te plaît, arrête de plaisanter avec ça, Diamantino. Pourquoi, hein? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit, alors? Hein? Eh ben, simplement parce que tu ne l'aurais pas cru, ou alors tu vas me dire le contraire. Possible. Tu as raison. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas laisser les choses comme ça ou quoi? Je n'en ai aucune idée, Diamantino, et tu vois, c'est bien ça le problème. Je n'ai pas de preuves et je suis pas sûr, donc je peux pas non plus être injuste et la condamner sans avoir de preuves. Bon, et ben qu'est-ce que tu attends pour les obtenir? Eh bien, parce que nous vivons sous le même toit. Oui, on vit dans la même maison, Rengito. Comment je fais? Dis-moi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide sur ce coup-là. J'ai besoin qu'on me donne un coup de main. Eh ben, nous, on peut t'aider, hein, tu sais. Ah oui. Comme ça, tu verras qu'on n'est pas si mauvais. On va t'aider. Mais oui, en échange d'argent, et pas mal d'argent. Parce que depuis que tu nous as virés de l'orchestre, nous deux, on est complètement fauchés, mon frère. Alors, on pourrait peut-être commencer par commander une autre bouteille. Oui, monsieur. Ça va pas faire beaucoup pour tous les et trois. Et après, tu nous invites à déjeuner ou à manger quelque chose, parce qu'on est... Oui ou non? Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci encore. Alors, ça vous a plu, hein? Oui, ah, c'était oui, on a fabuleux. Adoré. Oui, c'est vraiment on a le mot. Adoré. Bien sûr. Mais vous savez, j'étais justement en train de dire à Monsieur Patchon que c'était vraiment très dommage qu'on ait dû fermer le centre culturel. Ouais, c'est vrai. Vous savez, nous aussi, ça nous a attristés, en fait. On va pas pouvoir survivre. Non, monsieur, enfin pourquoi? Ça, ce n'est pas un problème. Si vous voulez, je pourrais vous conseiller pour pouvoir en ouvrir un dans un lieu digne de votre énorme talent, vous savez. Et dans un lieu en toute légalité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais écoutez, je pense que le groupe Onitsche ne peut pas arrêter de jouer. Non, moi je dis que vous devez jouer tout le temps. Vous êtes fabuleux, oui, vraiment, je vous trouve merveilleux. Oh, merci beaucoup, monsieur Patchon. Non, vraiment, non, je vous remercie. Sûr. Vous êtes absolument charmant de me dire tout ça. C'est adorable de vouloir nous aider. Non, bien sûr. Continuez à savourer les délicieux plats de Madame Morticia. Vous pouvez compter là-dessus. Je préfère comme très ça, bien, en merci. Civil. Merci. Merci beaucoup. Venez, vraiment, venez, merci. Venez. C'était allez-y, commandant, allez-y. Délicieux. Ah oui, c'était vraiment goûté. Super. Allez-y. Dépêche-toi, dépêche-toi, allez. Bien sûr, c'est l'ambiance. Allez. On s'amuse bien ici, non? Allô? Allô? Est-ce que tu es seule? Oui, mais je ne veux pas parler avec toi. Écoute, Yeni, clarifions un peu les choses. Amadeo, c'est une histoire complètement différente de toi, ok? Oui, mais tu vois, moi, je vis avec Amadeo. Mais ça ne va pas durer encore très longtemps parce que je vais lutter pour toi jusqu'à la mort. Alors tu perds ton temps parce que moi je n'ai plus envie du tout de parler avec toi, d'accord? Alors les filles, je voulais savoir, est-ce que vous avez deux minutes pour répondre à notre question? Vous voulez vous marier avec nous ou non? Ah, il faut répondre maintenant? Oui, bien sûr, oui, maintenant. Eh bien, je ne vais pas vous mentir, pour nous c'est un honneur que des personnes comme vous, si importantes, veulent se marier avec nous, mais c'est trop rapide, trop précipité. Non, pas si oui, rapide que ça. Oui, c'est que ce truc du mariage, eh bien c'est quand même une chose sérieuse, il ne faut pas le prendre à la légère. Oui, et je ne sais pas à Cuba, mais ici, pour franchir ce cap si important, eh bien...
Il faut qu'il se passe plein de petites choses avant, non ? Ouf ! Comme quoi ? Vous croyez pas ? Comme quoi ? Comme tomber amoureux, des attentions tous les jours, plein de sorties, voir après si on peut s'entendre, rencontrer nos familles. Les familles. Et enfin vivre ensemble. D'accord, ma belle, je pense que j'ai bien compris. Mais dis-moi quand même, est-ce qu'on va pouvoir savoir combien de temps combien ça va durer de temps tout ça ? Vous voulez dire que c'est pour quand ? Au minimum, au moins 2 ans. Quoi, deux ans ? Oui ? Non, c'est une blague, hein ? Non, mes chéris, alors patience et ne désespérez patience, pas, d'accord ? Patience, mon petit oiseau. Mais 2 ans... Allez, on y va. Nous, malheureusement, on ne peut pas attendre autant de temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire, mon vieux ? J'en ai aucune idée, mais j'en ai aucune idée. Les gars, merci beaucoup de m'avoir accompagné chez moi. Merci. Ça, c'est pour que tu te rendes compte de qui sont tes vrais copains. Oui, oui, ça c'est vrai. Oui, oui, j'espère bien. Et j'espère que tu vas pas l'oublier. Jamais. Mais alors jamais. Non, 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 non. Regardez les gars, pour vous prouver que je ne vous raconte pas de conneries, je vais vous donner une petite avance. Ok ? Alors je vous demande d'être très attentifs. J'ai besoin que vous surveillez bien Yenny. Je veux savoir avec qui elle arrive dans cette maison et n'importe quand. Est-ce que c'est clair ? Eh, maestro, à partir de maintenant, eh ben... Tu peux compter sur les 2 meilleurs espions du monde. Ça, c'est vrai. Oui, monsieur. Très bien. Bon, les enfants. À la maison, allez maestro. Au boulot, c'est parti. C'est à partager, ok, Ringo ? Fais d'accord, attention. D'accord, d'accord. Ouais, c'est clair. Et il est bien mal, ce moustachu, non ? Mal ? Il mériterait encore plus. C'est clair. Je te l'ai dit une fois. C'est pas que je sois revanchard, ni que je sois une mauvaise personne. Mais comme on dit, œil pour œil et dent pour dent. Ça, il l'a bien cherché. Bon, et ma part, alors ? Voilà ta part, mec. C'est à moi, ça. Avec ça, c'est toi qui invite, hein ? Qui invite ? Hein ? C'est moi qui ai payé enfin, toute la nuit. Vas-y, vas-y, vieux. Allez, vas-y. Hé ! Mon amour, j'étais en train de m'inquiéter. Je t'ai cherché la bomba et Mike et Flacco m'ont raconté la saloperie qu'ils t'ont faite. Du coup, j'ai craint le pire. Où est-ce que tu étais passé ? Je me baladais tranquillement. Tu vois, j'essayais de digérer ce que Ringo et Diamantino m'ont toujours dit et que j'ai jamais vraiment voulu entendre. Qu'en fait, le groupe Amadeus n'a jamais été à moi. Et que cette bande de rats, en plus, n'hésitera pas à me virer quand ils le voudront. Non, mon amour. Ça, c'est pas vrai du tout. Bien sûr. Parce que toi, tu as commencé le groupe à partir de zéro. Tu en es l'arrangeur, le directeur et aussi le chanteur. Non, ma belle. Ces 2 mecs sont les propriétaires du label, c'est comme ça. Mon amour, mais par contre, ils ne sont pas propriétaires de ton talent. Et tu peux être sûr que je ne permettrai pas qu'ils te volent quoi que ce soit parce que ça t'appartient à toi. Et moi, je te protégerai. Non. Attends, chérie. Attends, 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 attends. Ce soir, j'ai envie de rien.